Nous sommes dans la commune de Lancélé, précisément dans l'espace Camp David. Ici, sénateur, député national, comme provincial, ministre cadre des entreprises, notables hommes et femmes de l'espace Grand Kasaï sont venus sceller l'amour et l'unité pour désormais regarder ensemble vers la même direction pour le développement de leur espace. Dans une cérémonie d'échange de vœux organisée par la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï que dirige le sénateur Denis Kamba Chimbumbu. Le grand moment de cette rencontre, c'est la réconciliation de deux fils kassaïens, longtemps en conflit, Adesse Ogi Ilunga et Alphonse Ngoï Kassanji, tous fils de l'espace Grand Kasaï. Population wa espace wa Grand Kasaï, Moussoung Labana Benou, bonsoir. L'occasion wa le 31 janvier 2021. S'il y a des problèmes et des malentendus entre nous, je viens de dire que nous fous. Même si vous êtes vous ne sais pas, oublions le passé, construisons le présent et l'avenir. Pourquoi nous le disons? Parce que l'échec du président de la République sera aussi notre échec à nous. Au-delà des appartenances politiques, on ne va pas dire que non, c'est l'affaire de l'IDPC, c'est l'affaire du Grand Kasaï. Nous savons ce qui se passe en réalité, c'est pour cela. Dans l'esprit de l'unité, tout en disant, le président de la République, c'est le président de tous les quatre espaces linguistiques. Congophone, swahilophone, lingalophone et lubaphone. Quand il dit, tout bas, nous ne voyons pas comment nous ne pouvons pas l'accompagner. En dépit de nos appartenances politiques, tout le monde dit, quand il dit, c'est le nouveau départ. C'est pour cela, mon logique est de respecter ma geste barrière. Dans les jours qui viennent, ça c'est juste un échantillon. Il y a beaucoup qui avaient contribué mais qui ne sont pas arrivés. Ils vont venir dans d'autres occasions. Unis et indivisibles. Désormais, les grands Kassaï parlent le même langage. C'est l'amour et la solidarité pour le développement de l'espace kassaïen, même dans la diversité. Nous tenons à féliciter l'initiateur, l'honorable Denis Kambaï, qui a su rassembler autour de lui ses frères et sœurs notables de notre espace. Donc ça a été une occasion pour nous de nous retrouver, de nous parler, de nous regarder en face, au besoin de nous réconcilier. Nous sommes venus affermir quand même les liens que nous avons dans l'espace Grand Kasaï. Nous devons de temps en temps nous réunir, essayer un peu de parler. Nous ne pouvons pas aller dans l'ordre dispersé. À toute la communauté vivant ici à Kinshasa, la capitale, communauté du Grand Kasaï, d'être seulement unis. Nous devons vivre dans la paix. Nous devons privilégier tout d'abord l'élément amour. Autre moment, c'est l'installation de membres de la SINAGECA, comité de Kinshasa. Il est important que tous les fils et filles de l'espace du Grand Kasaï puissent s'unir derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, afin que cet espace martyr, cet espace sans courant, cet espace sans eau, cet espace sans route, cet espace sans entreprise puisse décoller. Si nous voyons aujourd'hui tous nos frères et sœurs de l'espace Grand Kivu en train de dire qu'ils soutiennent la vision du chef, l'espace de l'Équateur, l'espace du Grand Bandundu, l'espace du Grand Oriental, l'espace du Grand Katanga et pourquoi pas son espace naturel. Que vive 2021.
C'est le lancement de la collecte des fonds pour les actions du développement de l'espace Grand Kassai et la production de la musique kassaïenne, les Limba, Wakuchila, Bébé Kero, Kadiata, Wamukala et les autres groupes folkloriques sont au rendez-vous. C'est parti avec les buffets. Ici, on trouve toutes les cuisines de l'espace Grand Kassai, une façon de faire la promotion de la culture kassaïenne.